bon, bah, allez, on rejoint. Derrière, finalement. Ambassadeur de la musique celtique, le bagad de Langbiwi participe au rayonnement de la marine nationale, non seulement à travers la France, mais aussi à l'étranger. Ces musiciens, de jeunes matelots, recrutés parmi les meilleurs sonneurs civils, se sont succédés depuis 1952 pour porter fièrement les couleurs de la marine nationale. Le bagad parcourt la France et le monde entier au pas de charge. Le Japon, l'Australie, le Canada, l'Allemagne, les États-Unis, l'Inde, la Suède, la Norvège, l'Espagne, le Mexique, le Chili, le Brésil et bien sûr tous les pays de la planète celtique. Depuis 2001, à la fin du service militaire, le bagad est constitué de musiciens professionnels qui s'engage dans la marine nationale pour une durée de 1 an renouvelable 3 fois.
C'est un hiver. Bah, je me suis... Comme nous. La tenue de saison. Dire quoi? Madame Rouet, bonjour. Monsieur Rouet, bonjour. Colonel Rouet, nous sommes dans la même association. Oui. Ancien combattant et des voyons relativement souvent. Alors, Madame Rouet, vous êtes de... Pardon, tous les deux de Sibérie. Tous les deux de Sibérie. Est-ce que vous n'avez donc pas tout vu aujourd'hui? Non, hélas. Vous n'avez vu. Et ça, c'est la dernière danse. Eh bien, vous irez sur mon site et vous aurez toutes les scènes précédentes. Parce que là, la venue du bagage de l'Andivoué, je crois que ça rehausse encore la fête. Mais tout Saint-Ébarsac était très bien. C'est la première fois qu'ils viennent. Oui. Oui, oui. Non, non, tout c'était vraiment très réussi, avec cette pointe d'inquiétude depuis le matin. Il n'y a pas plu. Et ce matin, pour le défilé, il y a juste une petite éclaircie pour le défilé. On pensait que ça ne se passerait pas bien. Et là, maintenant, il y a le dîner. Voilà, bien, nous avons fait notre petit cinéma. Pour les enfants. Et pas pour vous. Et pour moi aussi, mais moi, je ne suis pas pour vous. Ah, très bien. Alors, à très bientôt, quand nous voyons-nous maintenant. Dans un pardon, vous n'allez pas au pardon du Faux-de-Bois ce matin. Vous irez. Et ce matin, nous serions allés à Roscoff. Le Faux-de-Bois, c'est la première semaine. Oui, mais la première semaine, oui. Alors, allez à Roscoff pour la Sainte-Anne. Sainte-Barbe. Oui, ce matin. Si vous n'avez pas pu. Oui. Oui, moi je me demande pourquoi toutes ces manifestations si belles et qui demandent tellement de travail. Anéanti par une journée de pluie. Il faudrait, je pense, avoir des bâches, des scènes, des sols. Ça ne se fait pas. Que ce soit couvert. Ici, où il pleut souvent, tout de même. Il y aurait de beau, c'est le une grande couverture. Oui, mais ça ne se fait pas. C'est ça quand même la première fois où je vois un ciel si gris pour la fête de la Poisson. Oui, ben, ils ont eu de la chance jusqu'à présent. Mais ça n'est pas, cette chance ne dure pas. Donc, je pense qu'il faudrait. Oui, même pour les pardons d'ailleurs. Dans le pardon, quand il y a une grande chapelle ou une grande basilique, ça va. Pour le vote, c'est toujours devant aussi. C'est toujours devant. Je me demande ce qu'on fait quand il y a des non, mais enfin, les bagnères. Les bagnères. Bon, alors peut-être au fond de boîte. Oui. Bien, à bientôt. Avec plaisir. Avec plaisir, Daniel. Je ne sais pas ce que ça... Tous les liens vers les vidéos que j'ai fait depuis 3 ans. Et vous verrez le festival de l'an passé. Oui, oui. Vous êtes vraiment de Saint-Paul? Oui, mais comme ça, je n'ai pas besoin de conclure. Venez là. Venez là. Venez ici, là, devant le Christcaire. Viens-nous, je suis passé. Viens-nous. Venez là, vous voulez pas? Alors, venez là. Bonjour Madame Roupars. Très bien monsieur, il apprend très vite le cinéma. Venez tous les deux. J'ai vu les Michel. Venez quelque chose à Madame Roupars qui est très heureuse d'avoir fini Saint-Paul-Léon. Alors messieurs, vous êtes de Saint-Paul? Oui monsieur. Du bourg de Saint-Paul? Né à Carvarqueux, cité de la gare. Et... Moi je suis né à Carvarqueux, cité de la gare. C'est où ça? Ah oui. Derrière la gare. Ah oui, très bien. Alors, vous êtes content de cette journée? Tout à fait Madame Roupars. C'est une belle fête. Oui. Il n'y a pas plus. Comme tous les ans, c'était un temps idéal pour la fête d'aujourd'hui. Oui, tout à fait. Personne ne va à la plage. Ben non, les gens restent là, bien sûr. Oui, c'est bien. Parfait. Bon, je vous laisse. À bientôt. À bientôt.